Salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 32 de notre aventure sur Days Gone. Comme d'habitude, prévoyez un petit truc à boire, à manger, mettez en 2K, 60 FPS, un casque ou des écouteurs. Régalez-vous, régalez-nous, nous, c'est le goût, il y a des choses à dire. Direction notre aventure principale évidemment, et cette fois-ci il n'y a personne pour ouvrir. C'est automatique, ah bah les gars ça c'est des générateurs, ça je connais bien, tu mets un générateur GGR. Un petit disjoncteur Legrand à côté, c'est bon, système d'ouverture automatisé, aucun putain de problème. C'est parti, notre mission est à 300 mètres, j'ai racheté des munitions, j'ai fait le plein de ma moto, tout ça m'a coûté littéralement une blinde, j'ai plus une thune, mais au moins, bon bah on verra, advienne que pourra, comme on dit dans le milieu, on verra ce que ça va donner. Donc c'est parti, 160 mètres, on est clairement à côté. Oh, excusez-moi, c'est rien. Arrêtez. Voilà, je l'ai vu, hein, je l'ai vu. Hein. Je l'ai vu. Yes, yes, yes. Le plaisir. Le plaisir. Imagine, les gars. Évidemment, les zombies, ils en ont après qui? Et ben après Bibi. Allô. Bon. Ça va, gros, n'est-ce pas? Ok. Voilà, c'est de l'approximatif, hein, à cette distance, malheureusement. Très bien, tout ça pour ça, les gars. Vraiment, c'était cool, hein. Merci, hein. Merci de me faire commencer des épisodes dans cette condition. Condition fort désagréable, n'est-ce pas? Bon bah c'est pas grave, on va essayer de récupérer un petit peu de ferraille. Va falloir réparer mon véhicule, c'est beaucoup plus chaud. Hein. Là vous l'aurez compris vraiment. La personne s'amuse en fait tellement c'est compliqué, tu comprends ou pas? Très bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va faire des bandages. J'adore faire des bandages. J'ai été médecin. Voilà. Hop. Un petit cocktail de santé, on va le faire. Et d'ailleurs on va en utiliser un. Et qu'est-ce qu'on a là? Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg, une petite médecine, ça fait toujours plaisir à la famille. Très bien, on va pouvoir récupérer ceci. Et on est bah parti. On reprend notre moto qui est bien endommagée, voire morte. Oh, c'est fort embêtant. Réparer le moteur. Ben oui. Allez, c'est parti. Heureusement que j'ai toujours une bougie sur moi, encore une fois. Ouais, voilà, hop. 50%, ça suffira. Hein. Abusons pas, on a été suffisamment généreux. Quoique, merde, j'arrive. Vu que c'est juste à côté... Autant fouiller un petit peu partout. Voilà, on sait jamais sur un malentendu. Tu vois un chiffon incroyable. Ah bah comme quoi ce qu'on peut trouver dans les coffres de nos jours, frérot. C'est des petites dingueries qui font plaisir. Ah, une moto qui est toujours aussi ingérable. Yes. Yes, calme-toi la moto. J'ai pas de frein en fait, genre je comprends pas. Ok, ça sent la douille. Sans pour visiteur. C'est sûrement là. Il me reste plus qu'à trouver de la levure. Ok. Allez, c'est cuisines, évident. Ouais. C'est sûrement dans les cuisines. Il y a bien sûr. Des brutes. Fallait que ce soit des brutes. Ça pouvait pas être simple, hein. On peut peut-être faire un truc drôle. Alors attendez, parce que vous connaissez mon humour. Pardon. Ok, là... Mon arc a disparu. Je me suis jamais rééquipé de mon arc. Très bien. Yes. Le plaisir commence par les choses simples. Très bien. Oh, c'est chaud. C'est chaud vraiment, les gars. C'est bon. Depuis qu'on est dans cette partie de la map, c'est très très chaud. Levure, levure. Pas de la levure, ça. C'est une carte postale. Ah, oh, c'est pas ouf. Ok. Des petits tuyaux. Eh, c'est bien, ça me donne des coups de pouce. Ouais, ok, va y avoir une bagarre. Hein. Il va y avoir une putain de bagarre. What?
Je me sens pas assez choqué. Ok. 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 Cascade. 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 Oh vache. Bon, 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 bon. Deux, je gère pas. La vie de ma mère que deux, je gère. Je gère pas, les frères. Il m'a géré, lui, hein. Yes. Il fait quoi? 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 Oh, non, mais si deux, je gère pas, mais trois, je ne gère point. On s'en va. Fuyons, fuyons, pauvre fou. Yes. C'était génial. Il ouvre la porte, hein. C'est chez lui. Yes, yes, yes. Coucou. Allez. Bonjour. Hop, une oreille de brute. Bonjour. Bon, bon, bon. Tout va bien. Tout va bien. Il y a une raison de paniquer ou pas? Voilà. Aucune putain de raison de paniquer. Je suis un homme mort. Très bien. Voilà, bolos. C'est ce qu'on appelle la banane des gens heureux. Ok. Bah voilà, bah je suis un homme totalement mort. Wow. Est-ce que... Putain, il m'a sauvé. Non, non, non. C'est le bug des jumelles, au lieu de se soigner. Voilà. Bug qu'on a déjà rencontré maintes et maintes fois, hein, à chaque fois qu'on bat un boss, ou après une combinaison de touches, je ne sais pas pour quelle putain de raison, ça ouvre... Oh, c'est l'enfer. Ça ouvre, ça allume les jumelles. Ça peut toujours servir. Incroyable. Très bien, c'est la merde. Cette mission, c'est littéralement la merde. Mais cette moto de merde aussi, putain, c'est pas vrai. Ok. J'aurais jamais assez de balles pour faire quoi que ce soit. C'est sûrement là. Il me reste plus qu'à trouver de la levure. Voilà. Les cuisines, ouais. C'est sûrement dans les cuisines. Oh, et merde. Des brutes. Fallait que ce soit des brutes. Ça pouvait pas être simple, hein. On va ouvrir ça. Ça peut servir. Oh, oh, oh oui, ça peut servir. D'accord. Bon. On a un problème. On a un problème, c'est que je trouve pas la levure. C'était pas si dur. Levure, levure. Mais dépêche-toi. Incroyable. J'ai la levure. Je vais pouvoir me tirer. Voilà, nickel. J'espère que ça suffira. Ok. Hop. Il m'est faux. Ni vu ni connu, hein.
Allez, salut mon pote, hein. Ça dégage. Hein. Ok. Les petites oreilles de brute, ça aurait été sympa, mais ça dégage. Hein. Pas le temps pour ces conneries. Saint-John, pour... Let's go. Le lieutenant Whittaker, au rapport. Deacon, Caporal Saint-John, oui. J'ai dégoté ce que vous vouliez, la levure. Il n'y en avait pas beaucoup. Je suis sûr que ce que vous avez trouvé conviendra très bien. Je suis curieux. Pourquoi vous avez besoin de... Désolé, mais je suis occupé. Il faut que j'y aille. On parlera à votre retour. Terminé. Elle aussi, elle me casse les couilles. Il y a tout le monde qui me casse les couilles dans le jeu, putain. Je suis la victime de tout le monde. C'est un délire. Merde. J'ai tout donné pour elle. J'ai pensé qu'à elle, frère. Elle me chie dessus, les gars. Oh, c'est terrible. Je vais aller lui donner. Elle a intérêt à me faire au moins un bon gâteau, hein, avec cette levure, hein, je te le dis. Hein. On peut plus être tranquille, bordel. Elle fait-moi rêver, ma grande. Hein. Là, je rigole même pas. Hein. Ça commence à être chiant. On a 20 heures de jeu, les gars. On se fait on se fait forniquer par tout le monde là-dedans. Comment ça me déplaire. Allez, on y va en moto, sinon ça va mettre 8 ans. Et ça risque d'être terrible. Ok, il y a quelqu'un qui vient juste de tirer juste à côté. Voilà, hop. Ça pose de soucis à personne. On va dire que c'est le centre d'entraînement. Ok, 100 mètres. Allez, régale-moi. J'espère que ça soit utile, cette connerie de merde, là. Hein. Ah, je suis désolé d'être vulgaire, mais là, j'ai encore l'épisode 31 entre les dents. Hein. Je vais pas vous mentir que... Passer un très mauvais moment à le record. Yes, je me suis bourré. Hop, c'est pas grave, on va rattraper. Ne vous inquiétez pas, je connais bien ici. Hop. Vous inquiétez pas, je connais bien ici. Vous inquiétez pas, je connais bien... Ici. Allez, je me suis gouré. Ça dégage. On fait un demi-tour complet. Bordel de merde. C'est horrible. Le campement est horrible. Ici, cet endroit est horrible. Je veux juste me barrer avec ma putain de femme. Et puis on entend parler de toutes ces conneries là. Hein. Avec leur temps de quechua là, putain. Allez, let's go. Eh ben. Il y a la moto qui fume, il n'y a rien qui va. Il y a rien qui va. Ah, et merde. Madame. Bon, tu arrêtes la comédie, s'il te plaît. Pardon? Je sais que la situation est bizarre, mais j'y peux rien pour l'instant. Ouais. À part que je dors dans un baraquement avec une dizaine de troufillons, alors que ma femme occupe une tente privée dans les quartiers des officiers, je vois rien de bizarre. Il y a aussi le fait qu'on se croise que quand je remplis une mission pour elle. Mais non, rien de bizarre à part ça, madame. Ma levure, merci. Tu veux faire un gâteau? Si t'as besoin d'un four, je sais non, où en dégoter un. Non, je m'en sers pour cultiver des protéines virales. Ça permet d'activer les anticorps. Mais bien sûr, tu étais ironique. Gâteau, protéines virales, c'est du kiff-kiff pour moi. Eh, pas si vite. Tiens. Merci. Tu l'as déjà dit. D'être resté, je veux dire. Oui, chef. Putain. On a traversé un continent pour sa gueule, hein. Et elle me donne une autre putain de mission. La situation est bizarre, je te jure. Je vais me foutre en l'air. Allez, on se casse. Il y a rien qui va, les gars. Ok. Bah, vous savez quoi? On va quitter déjà ce lieu de merde, si je puis me permettre. Voilà, on va passer par ici. Non, non. Posez-les là. Merci. Hein? Caporal Saint-John? Ici le docteur Jiménez. Saint-John? Salut, Doc. Ici Deacon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, Saint-John. Parfait. Je voudrais que vous passiez à l'infirmerie. Il y a un problème? Vous avez besoin de quelque chose? Non, non, rien de tout ça. C'est pour suivre l'évolution de votre blessure. Ma blessure? Mon bras... Ça va, Doc? Une brûlure au poêle à bois? Ça plaisante pas. Vous voulez que ça s'infecte? Allez, venez me voir. C'est un ordre. Ok, et Doc. Okay. Comme vous voudrez. Terminé. Ok, il veut quoi, lui? Il veut me faire un gosse ou qu'est-ce qui se passe, les gars? Eh ben, on y va. Let's go. Let's go, let's go. J'aimerais bien retirer. Voilà. Très bien. Alors, attends. Non, les gars, c'est pas possible. J'ai demandé à retirer le point. Abuse pas, en fait, des bonnes choses.
C'est terrible. Ok, là par contre c'est un petit peu plus haut. Bon, allez hop, c'est à 30 mètres. On y va à pied parce que ça va me gonfler. Avec la gadoue ça glisse. Let's go. Hey Doc. Entrez. Sien-tensei. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Voyons voir. Alors, pour qui vous rouliez avant tout ça? Je vois pas de quoi vous voulez. Non mais mientas. Caporal, j'ai passé 20 ans à Los Angeles à rafistoler des bandas de motoristas, entre autres bandieros. Je connais les signes. Et ça, là, ça vient pas d'un poêle à bois. Ok. Nettoyez bien et ça cicatrisera. Mais vous aurez une marque. Et je veux que vous repassiez me voir dans 2 jours. Ça marche. C'est drôle. Quand tout a merdé en ville, les quartiers en guerre depuis des années se sont unis pour combattre. Ensemble. Latinos, Güeros, Chinos, Bloods, Crips. Peu importe. C'est dingue qu'il en faille autant pour unir les gens, non? Merci, Doc. Je connais les signes. Un bon soldat, ça avance un petit peu partout et ça c'est plutôt plaisant. Nouvelle mission débloquée, et ben on a juste à sortir cette fois-ci de la ville pour avoir... Saint-John, réponds. Notre nouvelle Taylor mission, à Ticon, Saint-John. Taylor, ça fait un bail que j'ai pas eu de tes nouvelles. J'avais peur que tu te sois frotté de trop près au type que tu suis. Oh ça, je suis pas loin. C'est comme si j'étais dans son jardin. Hé, j'ai besoin de ton aide. Je suis dans un petit camp au sud de Crater Lake, à côté de South Rim Drive. Taylor, écoute-moi, je sais pas ce que tu fous, mais tu devrais... Non, non, merde, non. Lâche-moi, non, arrête, arrête. Taylor. Oh, merde. Et ben voilà, j'ai connu des jours meilleurs. Je suis nouveau ici, hop, je m'appelle Deacon Saint-John. Let's... Enchanté. Go. Moi, c'est Ella Salazar. Mais appelez-moi ça. Et on va bientôt monter le niveau du camp. Donc on va peut-être pouvoir déverrouiller 2-3 petites dingueries. Bon, c'est par ici. C'est la merde. Saint-John pour lieutenant Whittaker, à vous. Je passe sur un canal privé. Attendez. Deacon, tu m'entends? Ouais. Écoute, j'ai jeté un œil à ton formulaire de réquisition. Tu veux du silicate? Oui, du silicate. Je m'en sers comme solution de distillation au chromatographe. Au chromato ou quoi? Désolé, c'est le seul axe de mes recherches qui progresse bien. Bon, et ton silicate, je le trouve où? Merde, je croyais l'avoir noté sur le formulaire. Attends, ok, il y a un petit bazar au sud-ouest, près du village de Mazama. Tu devras en trouver là-bas. Ok, ça marche. Merci. Enfin, je veux dire, disposez, caporal. Oui, chef. Oh, ça fait pitié par contre. Lieutenant. Sincèrement, c'est bon, tu l'as déjà fait la blague de merci, enfin je veux dire, caporal. Qu'est-ce que c'est bon. Que cette merde à bord? Oh, ils font pitié là dans leur relation. Ah là, ça m'énerve, ça m'irrite plus qu'autre chose. Ça fait 20 putains d'heures que je joue, j'ai traversé le continent entier, on a vécu les pires galères. Et elle casse les couilles parce qu'elle dit merci au lieu de caporal, j'ai envie de tout bouiller, bordel. Dites quelque chose de. Ouais, capitaine. Pas vrai, dites quelque chose dans les commentaires, merde. Je voulais vous dire que le colonel fait un petit discours informel tous les soirs. Rien à foutre. Crépuscule sur l'aire de rassemblement où vous avez pris des serments. D'accord, chef. Et bien que le discours soit informel, la présence de tous les conscrits est requise. C'est noté, chef. Terminé. Génial. Commandant qui aime les causeries au bout du feu. J'ai hâte. Ok, direction 250 mètres. Il pleut, évidemment. Il fait nuit, évidemment. C'est la merde, évidemment. Donc cette fois-ci, c'est par... Oh, une station essence. Oh, doux Jésus. Deacon, t'es là? Deacon? Je suis là. Écoute, je sais qu'on a beaucoup de choses à se dire. Chef? C'est un canal privé. Dick. Ok. Je voulais que tu saches que je pensais ce que j'ai dit. Sur le fait que tu sois dessus. Je sais que ça doit pas être facile pour toi. D'être ici. Comme ça. Ouais, enfin, où je pourrais aller d'autre? En plus, si je m'en vais, je serais obligé de rendre cette magnifique casquette, alors c'est
qu'elle commence à me plaire, cette casquette. Vraiment. J'en doute pas. Ça y est. Ok, bon. Faut que je retourne bosser. J'ai déjà rempli 12 de boîtes de pétri avec la levure. Cool. Garde-moi un peu de protéines virales. Au cas où j'ai un petit creux. Pas de problème. Lieutenant Whittaker, terminé. Ok. Elle peut plus se passer de moi ou quoi? Elle s'arrête plus. On a une masse pas très intéressant. On va évidemment tout fouiller. Capitaine Coury, ici le caporal Russell, à vous. Battez en craque, putain, bougez-vous. Vous avez entendu? Repliez-vous, repliez-vous. Russell, au rapport. Chef, on partait en mission de ravitaillement à Tchemult, mais on s'est retrouvé face à la plus grosse horde que j'ai jamais vue. Putain, bougez-vous le cul. Allez, allez, vous avez entendu le caporal? Bon, écoutez-moi très attentivement, caporal. Sortez vos hommes de là. On n'est pas prêt à engager le combat. C'est compris? À vos ordres, chef. On va pas se faire prier. Terminé. Allez, on se tire. Maniez-vous le train. On se replie. Allez, allez, allez. Ok, un peu plus de choses en même temps, s'il vous plaît, hein, histoire que vraiment ça soit bien la merde dans mon crâne. Ça devrait marcher. Allez, let's go. On est reparti, parce que j'ai toujours pas fait cette putain de mission. On a réparé le véhicule, et ça, quel plaisir, comme on dit. Et il est toujours de nuit, il pleut toujours, et c'est toujours la merde partout. Attends, parce que... Attends. Là, c'est les 200 plus longs mètres au monde. Genre, on recule pour réavancer, ça va être... C'est quoi ce délire? Ça va être terrible, ça va être terrible. La Cougar. Ah ouais. Super, les gars, hein. Des bonnes idées par ici, putain. Ferme-la. Ok. Let's go. Ah. Oh. Oh putain, je suis Terminator. Je suis un putain de monstre. Ça, quel plaisir. Allez, let's go. Let's go. On va aller à ce camp de mort. Allez, fille, ne laisse pas tomber. Dis-nous où est ton camp. Et peut-être quand elle sera partie. Je t'emmerde. Oh le putain! Je crois qu'il nous a pas bien entendu. Voyons comment on peut arranger ça. Je vous dirai rien. Allez, c'est parti. Attendez. Et maintenant, tu m'entends mieux? Tirez-moi ce merde d'ici. Mon oreille. Arrêtez. Vous en dites quoi? On pourrait peut-être échanger ça au camp militaire contre des crédits. J'arrive alors. Tiens bon. Ouais, attends, hein, j'arrive pas tout de suite, hein, je suis pas encore disponible là, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup ça quand même, hein. Ça fait beaucoup, j'ai rien demandé moi, hein. Ok. Bon. Eh ben écoute Taylor, on va essayer de venir calmement. Et j'ai oublié de récupérer mon putain d'arbalète, et ça c'est fort embêtant. Okay. Touche pas mes potes. Je suis juste monstrueux. Ok, c'est bon. Je suis clairement un monstre. Ok. Là, je peux faire un beaucoup là. C'était quoi ça? Ça venait de là. Oh, on les vend, hein? Mais ça te plaît? Je suis juste un putain de monstre.
T'aimes ça, hein, sale fils de pute? Oh, faut pas s'énerver comme ça, bordel. Tu vas me censurer ma vidéo. Moi, j'ai le droit de le dire, pas toi. Moi, je respecte les mecs qui se laissent pas faire. Ceux qui se battent jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il est-il de foutre dans le coin, l'enfoiré de sa mère? Le tourisme. Touché à mon pote. Ok. Mais touche pas, mes potes. Oh la vache. Je leur décolle tellement la gueule, putain. Ok, let's go. Maintenant, on va rentrer dans ce bordel. Allez, j'arrive, mon bro. Ah, ça s'est passé tellement bien. Ce fut incroyable. Un grand moment de cinéma. Ok. Ferme-la. Bah voilà. Comment ça va, Taylor? Oh, tu sais, j'ai connu des jours meilleurs, mec, c'est clair. Ouais. Oh. Je me doute. Bon, écoute, mon vieux, prends ça et colle-le contre ton crâne. Voilà, bien. Ok. Maintenant, je veux que tu m'attendes ici, ok? Je vais contacter le capitaine Corey pour qu'il envoie quelqu'un te chercher, d'accord? Ouais, d'accord, ça marche. Et ben voilà. Eh, tout s'est bien passé, j'ai connu des jours meilleurs. Hop, niveau de confiance supplémentaire pour le camp. Ça fait plaisir, la famille. Ça, quel plaisir. C'est ce qu'on retiendra. Nickel. Allez, nouveau point de compétence. Capitaine Corey, ici le caporal Saint John. À vous. Ici Corey, je suis avec le lieutenant Whittaker. J'évalue vos progrès. Caporal, j'ai dit au capitaine Corey que vous m'aviez grandement aidé. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Merci, c'est cool. Mais c'est pas pour ça que j'appelle. Capitaine, il y a un camp de maraudeurs, pas loin de Sauce Rim Drive. Des maraudeurs? Si près de l'île? Non, écoutez. Je leur ai réglé leur compte, mais j'ai un blessé, le soldat Taylor. Ils lui ont coupé l'oreille. Oh mon Dieu, comment il va? Le soldat Taylor? Qu'est-ce qu'il fichait dehors? Il survivra. Je sais pas ce qu'il foutait là. Il faut que vous nous envoyiez le doc, le capitaine Jiménez, et des hommes pour le récupérer. Je vous envoie les coordonnées. Je le préviens immédiatement. Terminé. Mais qu'est-ce qui m'arrive dans cet épisode? Je fais littéralement des boucheries charcuteries. Ça, je vois que je suis vénère ou quoi? Allez, let's go, on se passe. Hop. Ok, on va passer par où? Et ben, on va passer par ici. Hop! Petite glissade. Alors, on doit aller où? Et ben, on doit... Oh putain, on doit aller loin. On doit aller loin, donc on va s'y rendre, mais je pense qu'on va surtout, si je puis me permettre, se TP dans le camp, et on ne peut pas se TP dans le camp. Super les gars, bien joué! Voyage impossible pendant un affrontement. Ah non, si on peut. Ok, c'est juste que je suis en affrontement pour eux. Super, mais en même temps il fait nuit, donc forcément ça sera que de l'affrontement. Bravo les gars, hein. Bravo! Ok, ça devrait être bon. Normalement, on peut... On peut toujours pas. Ils veulent pas. C'est pas gentil. Ah non, je suis toujours en affrontement pour eux. Très loin. Très loin affrontement. Bah les gars, on va aller direction la quête principale. Non, bah, le coup, hein. Yo les gars, je reprends. Et on va s'arrêter là, tout simplement, je pense. On aura plutôt bien avancé. Quoique, j'ai bien envie de faire la mission après. Vous savez quoi? On va la faire, cette mission, d'accord? Oh, putain, l'enfer. C'est par là? Taylor, comment tu te sens, mon gars? Je te l'ai dit, j'ai connu des jours meilleurs. Hé, hey, je crois que ça s'arrête ici. Ah bah non, en fait, non, ça continue. Ok, les secours arrivent. Ah, grand froid. Tu veux que je revienne? J'attends avec toi? Non, oh, question, non. Déjà que je me sens bouillon, ça va aller, tout bête, je te jure. Je passerai te voir à l'infirmerie, un peu plus tard. Ouais, j'ai bien vu la gueule qu'elle a. Je vais te dire, je suis bien mieux ici. Ouais, bien mieux. Ouais, allez. Je l'ai vu aussi. Essaie de pas trop faire chier le doc, d'accord? Terminé.
Bien sûr qu'on va la faire cette quête, vous inquiétez pas, comptez sur moi. C'est vrai que j'ai dit qu'on avait un mois pour terminer, on va pas speedrunner non plus, on prend toujours notre temps et on apprécie, mais on se fait plaisir. Allez, on passe à 45 minutes de vidéo s'il faut, c'est pas un problème, c'est toujours la main sur le cœur qu'on fait tout cela évidemment. Donc on y va, 1 km. 1 km c'est long hein, quand il passe finalement. Si vous avez des choses à raconter... Oh putain, je suis dans la merde. Ah, cascade! Ok. Aucun souci. Ah, il y avait une voiture de flic, j'aurais peut-être dû, histoire de récupérer quelques balles. Incroyable, hein, le coup de soufflet que j'ai fait, par contre. Magique, hein, la mission, hein. Elle s'est tellement bien passée, ça serait dommage de s'arrêter là, hein. Ok, on a quelque chose ici. Bonjour, petite ville. Enfin, un petit village, pour le coup. J'aurais tellement voulu qu'il y ait une sorte de capitale où tout se passe en ville, un moment. Ça serait tellement énorme. Ok, 400 mètres. C'est pas à côté. Ok, il y avait une brute. Bonjour monsieur. Ok. Voilà. On va passer par ici. On suit le chemin. Bête et méchant. Voilà ce qu'on est. On suit le chemin. C'est encore en bas. C'est pourquoi déjà qu'on fait tout cela ? Ça sent la cascade ! Évidemment ! Ok, nouveau lieu, on n'est jamais allé là. Toujours No Man's Land. Ok, on y est. Bonjour madame. On dirait bien que j'y suis. Reste à trouver du silicate. Ok. Faut que je trouve un accès. Alors, par où vous entrez, les gars? Très bien, très bien, très bien. Plein d'entrées. Rentre, saloperie. Voilà. Une prime. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Ah, ça me donne les oreilles de tétard. Oh, ici, peut-être. Malgré qu'il soit très loin, c'est cool, ça. Je devrais pouvoir monter par là. Ok. Hop, petite cascade. Double petite cascade. Corbeau. Par ce trou. Ouais. C'était une affaire familiale. Ça va, du silicate, moi. Hop, voilà, dans ta gueule, hein. Voilà, ferme-la. Et voilà, ça dégage. Hein. Faites beaucoup trop de bruit, s'il vous plaît. On la ferme maintenant. Hein. Ok, ça je prends. Alors, du silicate, c'est quoi du ça? Du silicate. Ça doit bien se trouver quelque part. Bien sûr. C'est quoi? C'est comme le silibang? Dites adieu à la saleté. Ok, c'est... Ouais, c'est ça. C'est ça, du ouais. Silicate. Ça fera l'affaire. Très bien. Bon. Reste plus qu'à trouver un moyen de sortir d'ici. Ouais. Un bidon oh, d'essence. On ne sait jamais sur un malentendu. J'en connais un qui savait pas se garer. Oh. Allez, oh, ça me plaît. Vacances. Ouais. Ouais, d'accord. Yes. Les gens gardent vraiment la voiture n'importe où. J'attends de voir ce qui va se passer. Ok, il se passe rien. Donc on va lui dire juste de la fermer. C'est stressant. Ok. Très bien. Et ben voilà. Eh super. Je pense que à la base je devais rentrer sans. Ah! Mais putain, mais depuis quand? Et voilà. Mais frère, fils de pute! Je vais regarder ça de plus près. Ok, hein, mon pote. Hein. Wesh! Et casse tes morts. Je me fais désinguer par des putains de corbeaux. Y a la terre entière veut mon mal. Vous savez, j'ai le silicate que vous vouliez. Caporal St. John? Oui, je vous reçois. Je suis en réunion avec le lieutenant Weaver. Caporal St. John, quand est-ce que vous pourrez repartir en mission? C'est
pas. Weaver. Caporal, venez me voir quand vous serez de retour sur l'île. Terminé. Mais qu'est-ce qu'il fout? Ok. Hey Doc, vous êtes là? Ici le caporal Saint John pour le docteur Jiménez. À vous. Oh, Saint John, comment va votre bras? Bien, bien. C'est grâce au baume que vous m'avez filé. Ça marche. Impec. J'en jugerai moi-même. Dites, j'appelais... Enfin, je voulais vous demander, vous connaissez bien le... Le lieutenant Weaver? Le lieutenant Weaver? Je le connais. Hey. Sérieusement, les gars. Mais c'est délire, homme. C'est un délire. C'est un délire, ce jeu de bord. Putain. Laisse pas le temps! Meurs, 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 allez! Meurs, mange tes morts! Putain, sérieusement, il te laisse le temps de rien! T'as le temps de rien, t'as le temps de manger ta race! Je le connais, mais pas plus que les autres officiers. Tu dégustes tes morts! Pourquoi? Je sais pas, c'est juste que. Je fais des sorties pour eux, pour le lieutenant Whittaker, et. Lui. J'ai l'impression qu'il. Je sais pas, qu'il passe son temps à la coller, bref. Ça me plaît pas. Le lieutenant Whittaker sait se débrouiller toute seule. Écoutez-moi, Saint John. Le colonel ferme les yeux lorsque les officiers chahutent. À votre place, je m'en mêlerai pas. Ok, Doc. Et vous en faites pas pour le lieutenant Weaver. C'est pas un saint, mais j'ai vu pire. Terminé. Allez, c'est parti. Ah, c'était compliqué, hein. Eh, trois loups, vous avez vu l'enfer que c'est? Ils ont pas lâché, les gars. Ils étaient là en mode, bah non, bah en fait, on est sur tes côtes, on va juste te démonter. Et ils m'ont démonté, j'ai apprécié. J'étais en mode, bah putain, quel plaisir. Eh, hey, caporal, aucun ça regret roule. Ça va, frérot? Eh, hey, dis. C'est la merde, hein. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'un mec de la côte Est est venu foutre ici, aussi loin de chez lui? Ouais, c'est ça. J'ai servi avec un gars de Long Island. Disons que vous êtes facile à reconnaître. Ouais, je sais. Bah, c'est pas compliqué. Avant tout ce merdier... J'avais un site web qui s'appelait faitesparlerlapoudre.com. Oh, mais putain, mais c'est ça! C'est de là que je te connais. T'avais une émission sur le câble. Mon paternel la regardait tout le temps, quand j'étais gosse. Ton paternel avait bon goût. C'était une putain d'émission. Je parcourais tout le pays. J'allais sur des brocantes et des expos d'armes à feu paumées. Là, tu peux pas faire plus paumé que ça. Ouais, ça, tu peux le dire. Allez, c'était sympa. Salut, caporal. Hey, salut, mon pote. T'éloigne pas de ton flingue, tu m'entends? T'inquiète pas, mon gars. Ici, on est toujours très solide. Allez, on va apporter tout ça et on va pouvoir s'arrêter là. Terrible, hein. C'est les loups hein, qui m'ont foutu dans une merde. Weaver, ça peut plus durer. Quoi? Vous avez peur de la concurrence? Dehors! Y a un problème? Madame. Juste une discussion amicale, caporal. Lieutenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est juste que... Weaver pense toujours qu'on résoudra nos problèmes en faisant tout cramer. Ah, il fait chier! Ouais, il fait chier, tiens. Merci. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Deacon? C'est bon, arrête avec tes merci. Chaque fois que tu me dis merci, je repars avec un de tes formulaires de réquisition, la con. Mais formulaire de... C'est ça que tu crois, non, en vrai je voulais... Que tout ce que je fais, c'est brasser du ça, vent non. Tu voulais dire ça, ouais. Tu sais, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu restes. Laisse-moi éclairer ta lanterne. J'ai passé ces deux dernières années à buter des mutants.
à la chaîne et de près, de si près, que je pouvais sentir leur vieille haleine de Maccabée. Alors si tu bosses sur un truc qui permettrait de tous les buter à la fois, putain j'en suis! Mais si tu veux que je dégage, tu sais quoi? Donne-moi l'ordre, chef. Deacon, attends. Excuse-moi, d'accord? Écoute, j'ai besoin... juste... Merci. Ton aide m'est précieuse. C'est la fin de cet épisode, n'oubliez pas le petit j'aime et le gros commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. À bientôt tout le monde, ciao ciao.